premier livre, Occitanie, c'est un collectif dont il y a certains ici hein, qui sont présents. Un collectif qui promeut, qui fait la promotion de la production et de l'utilisation de la monnaie libre. C'est parti. Alors le thème de la, le titre de, la, de cette conf est clair, crypto-monnaie et bien commun. Alors bah, d'abord, on va faire que de la définition, tout simple, et vous allez comprendre la monnaie libre, normalement, à la fin. Qu'est-ce qu'un bien commun ? Quelque chose qui appartient à tous et à personne en particulier. Définition simple. Ça appartient à la fois à tout le monde et à personne. Il existe deux types de biens communs. Le bien commun créé par l'homme, non créé par l'homme, pardon, eau, l'air, l'autre, hein, le bien commun que nous ne créons pas, qui existe même si nous on n'existe pas. Et il y a le bien commun créé par l'homme. Ah, quels sont-ils ces biens communs créés par l'homme? Alors d'abord, on va définir. Donc, quels sont-ils? Ce sont les outils de mesure. Les outils de mesure, ce sont une création humaine qui sont un bien commun pour une raison bien précise. Et on y va le voir. Les outils de mesure sont des créations humaines utiles pour nous mettre d'accord sur l'appréciation commune des valeurs qui nous entourent. C'est bien pour être d'accord sur les valeurs communes. C'est pour vivre ensemble, faire société, qu'on crée des outils de mesure. Et ils sont bien communs à partir d'un certain... Vous allez voir, comprendre à quel moment un outil de mesure est un bien commun. Ces outils de mesure ont évolué au fil du temps. D'outils sans référence commune, nous nous sommes mis à utiliser, enfin, une fois trop de grave, des outils de mesure avec une référence commune. Par exemple, l'empreinte de ma main est un outil de mesure. Mais est-ce qu'il y a une unité de mesure là? Non. Ce n'est pas une référence commune, ma main. On a tous des mains de dimensions différentes. C'est un outil de mesure, mais ce n'est pas une unité de mesure. Ce n'est donc pas un bien commun, ma main. C'est ma main à moi. Donc, référence commune, invariance spatio-temporelle, référentiel commun, c'est quoi? C'est une référence qui ne bouge pas dans l'espace et dans le temps. L'empan de ma main, il ne sera pas le même quand je serai mort, puisque mon empan n'existera plus. Donc on voit bien que un outil de mesure est un bien commun quand il comporte une unité de mesure. Pour comprendre, dans l'histoire, pour mesurer les distances, nous avons abandonné l'outil de mesure sans référence commune que le pouce ou le pied du roi. Hein, c'était ça, hein, le foot, c'était le pouce, c'était la dimension du roi. C'était lui qui était donc référent de l'outil de mesure des distances. Mais c'est pas, il n'y avait pas d'unité de mesure là-dedans, hein, dans le pouce du roi. C'est pas commun. Donc on s'est mis, on l'a abandonné, le pouce et le pied du roi, pour utiliser à la place le mètre. Et c'est quoi le mètre? C'est une part du tour de la Terre. Un 40 millionième du méridien terrestre, ça fait un mètre. Et ça, ça ne change pas dans l'espace et pas dans le temps. C'est bien l'invariant face au temps qu'on va le mettre. Pour mesurer les valeurs de température, la référence commune est le centième de l'écart entre le gel et l'ébullition de l'eau. Ça, personne ne peut faire varier le moment de l'ébullition de l'eau ou le moment du gel. C'est pareil pour tout le monde, avec évidemment la même pression atmosphérique. Donc nous utilisons bien, à chaque fois, un outil de mesure avec un invariant dedans. Et c'est donc, cet outil devient donc un bien commun. Le temps, pareil, le temps, la référence commune, et l'oscillation de la lumière au travers, en gros, hein, au travers, c'est plus compliqué que ça, mais au travers l'atome de césium. La seconde, nous sommes tous égaux face à la seconde. La seconde reconnaît tous les individus et la réalité, puisque aucun individu ne peut avoir une seconde différente d'une autre. Nous avons pris l'atome de césium. L'atome de césium, il existait avant même que l'humain existe. Hein. C'est bien donc un référentiel commun, invariant spatio-temporel. La monnaie utilisée est-elle un bien commun? Comporte-t-elle, hein, cet outil de mesure de biens et des services économiques, hein, ça sert à mesurer ça, c'est pas les températures, ni les distances, ni la pression, non, c'est les échanges de biens et de services économiques. Donc la monnaie que nous utilisons comporte-t-elle
outil, cet outil de mesure, hein, ou cette monnaie comportait une unité de mesure, une invariance spatio-temporelle. Selon vous, oui ou non? Ça dépend quelle monnaie vous utilisez. Donc là, on y va. Vérifions ensemble si les monnaies utilisées actuellement et dans l'histoire comportaient ou comportent encore aujourd'hui une unité de mesure. Allez, on y va. Les premières monnaies, c'était quoi? C'était les coquillages coris. Est-ce que tous les individus sur Terre étaient reconnus à égalité face aux coquillages coris? Non. Les coquillages coris se trouvent toujours d'ailleurs que dans l'océan Indien. Il n'y en a pas ailleurs. Moi, j'ai fait toute la Méditerranée, j'en ai pas trouvé un. Donc, il n'y avait pas d'invariance spatio-temporelle dans le coquillage coris. Ceux qui étaient proches de l'océan Indien pouvaient en avoir, et donc étaient créateurs de monnaie, et ceux qui étaient loin, mais ils n'étaient pas créateurs de monnaie. Le métal or qui a suivi après, pareil, est-ce que c'est une invariance spatio-temporelle? Non, ceux qui sont proches de la mine, ils créent la monnaie, et ceux qui sont loin de la mine, ben, ils doivent travailler d'ailleurs pour ceux qui étaient propriétaires des mines. La signature de crédit bancaire, alors ça nous parle. C'est quoi la signature de crédit bancaire? C'est l'euro. L'euro est créé par la signature de crédit bancaire. Le dollar aussi, le yuan, le yen, le dirham, le dinar, le shekel, la couronne islandaise, toutes les monnaies fiat, ce qu'on appelle fiat monnaie, monnaie d'État, sont créées par la signature de crédit bancaire. Et depuis 2700 ans en fait. Il y avait une parité or un peu là, pendant un moment, mais maintenant d'ailleurs elle n'est plus, depuis 73. Est-ce que nous sommes égaux face au crédit bancaire? Est-ce qu'il y a une invariance face au temporel, face au crédit bancaire? Non. Non. Il y en a qui ont des capacités à créer du crédit bancaire, à le signer, et d'autres moins. Donc, pas d'invariance. Le minage du bitcoin et des altcoins. Est-ce qu'on est tous égaux face au minage de ces monnaies-là, hein? Si c'est des machines qui font des calculs? Non. Le bitcoin ne reconnaît pas les utilisateurs à égalité. Le crédit ne reconnaît pas les utilisateurs de monnaie à égalité. Le métal or ne reconnaît pas les utilisateurs à égalité. Le coquillage coris. Bon. Et bien voilà. Depuis le 8 mars 2017, ça a fait un peu plus d'un an, vient d'être. D'abord, ça a été étudié, hein, c'est vient d'être produite la première monnaie libre, dite June, qui est produite par ses membres. À égalité, donc selon une invariance spatio-temporelle. Et ouais, c'est la première véritable monnaie avec une unité de mesure dedans, de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois, regarde, moi j'ai étudié ça à fond, je peux vous dire que c'est la première fois, je vous l'assure, et vérifiez surtout, vérifiez par vous-même. Alors c'est quoi ce DU? C'est quoi ce DU? Alors d'abord, c'est une unité de mesure stable, invariance spatio-temporelle, un DU dividende universel, une même part de quelque chose. À chaque fois, c'est une part, hein. À chaque fois, ça, c'était une part du travail des machines, une part de crédit bancaire, de la dette, une part de la quantité d'or, une part des quantités de coquillage. Mais là, c'est une part de quoi, le DU? Une part de la vitesse de renouvellement de la vie humaine. C'est commun à tout le monde. Une fois qu'on connaît l'espérance de vie, la totalité de la vie moyenne, et bien on sait quel est le cycle de renouvellement. Quand c'est 80 ans, et bien logarithme de la moitié sur la moitié, ça vous fait 10% par an. La pulsation de la monnaie libre, du DU, le DU, voilà, il croît de 10% de plus par an, en fonction du nombre de membres. J'exprime les prix en DU, c'est l'invariance, c'est la référence des prix, en DU de June. Un paquet, un DU, c'est un paquet dans lequel il y a des junes, et le nombre de junes dans ce paquet augmente de 10% par an, en même temps que le flux de vie humain. C'est bien une monnaie qui est en accord avec le vivant. Je produis un DU par jour, je ne reçois pas, contrairement à ce qui a été dit à la conférence un peu avec Kouyou. Souvent il disait reçoit, non. Je produis, tous les jours je produis, tous les membres coproduisent un DU par jour. C'est un instrument de mesure, hein. Je mesure tout selon ce DU journalier. Tout, c'est-à-dire les valeurs économiques, évidemment, des biens et des services. Cette création monétaire est donc symétrique dans l'espace et dans le temps. Symétrie spatio-temporelle, hein. Le DU correspond précisément à concrétiser une symétrie spatiale et temporelle entre les vivants. Il ne peut pas y avoir d'inflation ni de déflation. Il y a une pulsation qui est la même. Pas trop ni pas assez.
y a forcément l'équilibre. Auto-équilibre, donc on est bien à la moyenne, propriété de convergence. Alors ça, on pourra en parler après, c'est extraordinaire, c'est que les riches et les pauvres convergent à la moyenne. Pour comprendre ça, ça marche aussi avec les âges. Par exemple, un individu, il a un an, moi j'ai 30 ans, j'ai donc 30 fois, je suis 30 fois plus âgé que lui. On rajoute 30 années à chacun, un dividende universel. J'ai donc 60 ans et lui, il a 31 ans. Eh bien, je ne suis que deux fois plus âgé que lui. Entre 60 et 31, c'est à peu près deux fois. Alors qu'il y avait 30 fois plus au début, de 30 fois d'écart. Ben, on voit bien qu'avec le temps, les âges convergent. Ils convergent vers quoi, d'ailleurs? Vers la mort. Et donc là, la convergence, elle se fait à la moyenne. Le système est transparent. Tout est visualisable sur des logiciels libres. Hein, dont ici il y a des geeks qui s'en occupent, et vous tapez dunitaire.org et vous avez tout, toutes les références, tout le système de production de DU et même des transactions de CDU qui est donc visualisable. Vous pouvez voir la toile de confiance. Je vais vous la montrer maintenant. Hop, elle est là. C'est super. Ça, c'est au tout début, nous étions 59, le 8 mars 2017. Voilà. Il y a une année là, de cooptation. Il faut être certifié par 5 membres pour pouvoir co-créer la monnaie. Là, tous ces individus ont été certifiés par au moins 5 autres membres. Et là, ils apparaissent, ils deviennent coproducteurs de monnaie. Et pourquoi ça bouge? Eh bien, parce qu'ils certifient des gens et du coup, ça crée des mouvements. Voilà, c'est un cerveau en construction. C'est nous. Là, moi, j'y suis. À un moment là, je crois que je suis là. Voilà. Alors, ceux qui connaissent beaucoup de gens sont, voilà, on parle des proches, mais il n'y a pas de pyramide. Il n'y a pas de centre. C'est une cryptographie de la monnaie libre, de la toile de confiance d'unitaire June. Ça, hein, le terme. Cryptographie. En tout cas, c'est super beau. C'est... Et c'est puissant parce que c'est on peut voir, on peut voir toute la toile est sous blockchain. Ça en fait c'est les certifications d'individus et la production de monnaie libre est rangée dans une banque de données, une base de données hein, sous blockchain publique. Voilà, est-ce qu'on fait les questions? Oui. Il reste 5 minutes. Ouais. Ça demande une certaine capacité de calcul, c'est pas un peu une barrière à l'entrée? Alors, il n'y a pas de calcul. Enfin, il n'y a pas de course calcul. Un Raspberry Pi, une brique Internet, d'ailleurs, que Squeak ici essaie de nous faire fonctionner, de nous aider, nous les non-geeks, eh bien, suffit à trouver des blocs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette toile de confiance en amont qui sélectionne. Pourquoi il y a une course au minage pour le Bitcoin, pour les altcoins? C'est parce qu'il y a besoin d'avoir une sélection. Les individus qui créent le Bitcoin. Et bien là, la sélection, elle se fait par la rencontre, par des apéros. Il n'y a pas besoin d'avoir des machines surpuissantes. Oui, c'est... J'ai une question, au niveau du rythme, en fait, tout est différent. Le rythme. 10% par an. C'est différent. Tout ça, là, les rythmes de tous ces trucs, je sais pas. Non, ça, les mouvements... C'est des rencontres. C'est les rencontres. Quand il y a un apéro, et qu'il y a un nouveau qui trouve 5 certifs, qui se fait certifier par 5 membres, pouf, on voit son. Ben là, normalement, si on regarde bien, on peut voir pouf, un nouveau nom, parce que ça, c'est les pseudos qu'on voit là. La vitesse de la vidéo est effectivement plus rapide au début. C'est à cause du temps de calcul, parce que c'est plus complexe à calculer, donc ça se ralentit au cours de la vidéo. Ouais, c'est pas un temps réel, c'est pas quelque chose non. D'un... Ouais, c'est ça. Au début, ce qui passait en 5, enfin, on a fait ça en 10 secondes, et là maintenant on avance de ça toutes les 10 secondes. C'est juste à cause du temps de calcul pour l'affichage à l'origine. Je sais pas, je pourrais vous montrer plutôt... Cesium, ça fonctionne? Ah ben oui. Compte d'utilisateur? Ah ben là on peut voir les nœuds, alors cesium, tous les nœuds en cours,
il y a des demi-rois qui ne sont pas membres, justement, hein, on parlait. Si quelqu'un qui n'est pas membre mais qui fait tourner un nœud, typiquement une brique internet, il apparaît là dans les demi-rois, on peut les voir. Il y a les nœuds membres, et c'est eux qui calculent, qui minent les blocs. Mais comme ils ont été sélectionnés avant pour avoir une toile de confiance, les ordinateurs, en fait, ils tournent à la queue leu-leu. C'est-à-dire qu'un ordinateur qui trouve un bloc, sa difficulté augmente. Donc ça veut dire que les autres peuvent trouver des blocs pendant que lui, il a une grosse difficulté. Mais avec le temps, sa difficulté baisse, et pouf, il peut revenir dans le calcul des blocs. En gros, je ne suis pas informaticien, moi. Césium, c'est un client de Dunitel, monsieur. Voilà, donc Césium, là, c'est un logiciel libre hein, sous Node.js qui permet de visualiser donc, la monnaie, hein, la toile de confiance, la monnaie, donc il y a la masse monétaire, la masse par membre, comme on connaît le nombre de membres, 1033. Division de, hein, mais c'est marqué, division de la masse par le nombre de membres à l'instant T. Aujourd'hui, la masse par membre, voilà, évolution de la masse monétaire, évolution du nombre de membres. On peut voir la carte du réseau. C'est la carte de l'annuaire plutôt. La carte. Ah oui, carte des nœuds. Ah oui, pardon. L'annuaire. On va aller dans annuaire. Là. Donc là on peut voir les nouveaux membres, c'est un peu long. Les inscriptions en attente, ceux qui ont ouvert des comptes et qui attendent, qui viennent pas aux apéros, et du coup, ils attendent. Et ça dure que 2 mois, hein, leur inscription. Donc il faut qu'ils rencontrent des gens pendant les 2 mois. Bon, mais là, je sais pas pourquoi, ça fait ça. On cherche. Du coup, c'est infini, cette. Oui. Et ouais. Contrairement au Bitcoin, où on est bientôt, il y a 23 millions, je crois, ou 21 millions. Et on en est à 18, on arrive bientôt au bout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de altcoins, Dash, Monero et tout. C'est parce que celle-là, on arrive au bout, du coup, ils en créent d'autres. Mais elles sont toutes limitées, hein. Dash, c'est 30 millions. On en est, je crois, 7 millions aujourd'hui. Donc il y a un peu plus de marge. C'est pour ça que d'ailleurs, ça bascule sur Dash en partie. Dash, c'est digital. C'est une monnaie non libre. Mais là, non, je sais pas. Là, par contre, aucun membre. Bon, je sais pas, c'est parce que j'aurais dit. Mais voilà, donc c'est infini, oui, tant qu'il y a. Alors, c'est une très bonne question. C'est infini en quantitatif. Hein, tout le monde co-crée de la monnaie, donc évidemment, ça monte. Mais en relatif à la masse monétaire, c'est-à-dire si on divise à chaque fois par la masse monétaire de l'instant T, eh bien en fait, c'est invariant. C'est à la moyenne. Si je veux vous le montrer, ça. Création monétaire. Voilà, qu'on fait création monétaire. Ah oui, non, c'est. Voilà. Création, voilà. Conférence création monétaire. Voilà. Ah oui, voilà. La propriété de convergence. Ça, ça met les poils à Hocine. C'est une propriété. C'est... Mais moi aussi, hein. La moi, ça me. Ouais. Normalement, tous les. Ici, je sais qu'il y a pas mal de communistes et tout, ça, bon sang. Comprenez-le, parce que c'est la convergence des luttes. Mais là, c'est la convergence des comptes. Voici, là, en quantitatif, un riche en quantitatif, en june, on est en june, hein, on a monnaie libre, en début. Un riche, un pauvre. Tac, chacun co-crée la même quantité de monnaie. Forcément, le riche, il va augmenter en quantitatif. Hein. Ça augmente tous les jours, puisqu'il est riche, il en co-crée encore d'autres. Et le pauvre, lui, commence à zéro, mais il va vivre, lui, une asymptote à la moyenne. Et ils convergent tous les deux, lui, il monte, et lui aussi, il monte. Et en fait, avec le temps, c'est l'histoire des âges que je vous disais, ça converge. Ils vont jamais se toucher, mais ils vont à chaque fois, ça va devenir infinitésimal. Ils vont mourir avant, hein. Là, on a 80 ans, ils meurent là. Et là, c'est la même chose en relatif, le riche et le pauvre, en bleu. Eh bien, la quantité produite par le riche, là... Tu l'as en bas. Voilà, en fait on le retrouve ici, le riche, le pauvre va vers la moyenne et la quantité cumulée, hein, c'est l'épargne du riche, eh bien, va perdre de son poids à la moyenne. Il n'y a que cette partie-là de monnaie qui perd de son poids. Seule la part de monnaie libre au-dessus du portefeuille moyen perd de son poids économique avec le temps. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les riches aux Bahamas. On s'en fiche, leur monnaie qu'ils ont accumulée au-dessus de la moyenne, de toute façon, avec le temps, s'ils ne la dépensent pas, elle va perdre de son poids.
S'il la dépense pas. S'il la dépense pas. Ça veut dire que la création monétaire, elle est neutre. Elle reconnaît tous les individus à égalité, quel que soit l'âge, le sexe, la couleur de peau, n'importe quoi. Tu es membre, tu co-crées la monnaie. Et s'il y en a un qui est plus riche que l'autre, eh bien, s'il l'épargne, hein, eh bien, ça part, perd de sa moyenne, perd de son poids. Mais à la moyenne, attention, hein, il va pas, il tend pas vers zéro, il n'y a pas la peur du manque. Fini la peur du manque. C'est relax. Alors voilà, alors ça c'est, ça vient de là, hein, la dune du Terre. Ça c'est pour moi l'essentiel à comprendre. C'est en relatif à la masse monétaire, c'est pas le quantitatif. Tout individu, il a zéro an, il rentre dans la monnaie, et il produit, hein, il perçoit pas, il produit chaque jour de la monnaie. Et il va arriver à la moyenne, ah tiens, on a choisi quoi? 40 ans la moyenne, pourquoi? C'est la demi-vie, c'est la symétrie spatiale et temporelle. Et là, ça bouge pas. Et là, il est à 80 ans, il va mourir. Toute la monnaie qu'il a coproduite, elle va rester sur son compte. Lui, il est mort, enfin, moi, je suis mort. Mais la monnaie que j'aurai, que j'ai là, qui est là sur mon compte, eh bien, elle va perdre de son poids. Pareil, à la même vitesse qu'elle s'est créée. Sauf si tu vis tes comptes avant que tu fasses. Voilà. Le mieux, c'est avant de mourir, c'est de filer ses codes, voilà, à ses héritiers pour qu'ils bénéficient de cette monnaie. Mais là, on est bien sans échange, hein. C'est juste la création. Voilà, c'est juste la production de monnaie. Économique. En relatif à la masse monétaire. Symétrie spatiale, symétrie temporelle. Normalement, ça, c'est en mouvement, ça fait. Il y a toujours la même, le même rythme. Ce dont tu parles, en fait, c'est d'une égalité proportionnellement. La totalité de l'argent qui... Exactement. Ouais. Après, par exemple, tu as parlé d'héritage. Oui. Il y a une personne qui peut d'un coup se retrouver avec son argent pour que l'argent de quelqu'un d'autre puisse l'argent de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et bien, on se retrouve dans ce cas de figure. Tac. Pouf. Héritier, très riche. Le gars, il a la moyenne. Et lui, là, c'est l'entrant. Ouais. Ou le pauvre, après ça, j'ai mis les deux, mais c'est pareil. Hein. Quand on rentre dans une monnaie, on a zéro sur notre compte. Et là, oh, tous les jours, il va produire jusqu'à la moyenne. Il suffit qu'il y ait un échange. Toi, tu rentres, tiens, t'es super bon en informatique. Moi, je suis une brelle, je suis ici, j'ai plein de jeunes. D'ailleurs, c'est le cas, hein. Je peux vous montrer mon compte, j'ai 7000 jeunes. Et alors que la moyenne, vous avez vu, c'était 1200. 1700. Donc, je suis un gros Richard en jeunes. Et moi, j'attends qu'il y ait un gars là qui me propose des super services. Je te file plein de jeunes. Et toi, tu vas te retrouver là. Moi, je vais te retrouver à ta place. Par exemple, tu vides mon compte. Parce que tu me vends un truc que j'adore. Typiquement, je vais me retrouver donc ici à zéro. Toi, tu vas me retrouver là. Et bien, moi, pareil, je vais coproduire et toi aussi. Mais si tu vas coproduire, donc ça va faire fondre cette partie-là si tu ne l'utilises pas. C'est excellent. Il n'y a plus besoin de lutter. Il n'y a plus besoin de violence. Il n'y a plus besoin d'aller chercher, de montrer du doigt les dominants. On les abandonne, les dominants. Nous co-créons la monnaie. Nous utilisons, en fait, tout simplement, une monnaie, enfin, qui est un bien commun. C'était le début de ma compte. Bien commun et crypto-monnaie. C'est quoi les transactions qui a liées à la monnaie? Eh bien, par exemple, mon iPhone, non libre. Bon, c'est un iPhone, mais moi je préfère ça que les Android. Je l'ai acheté 2000 Jules. Il a vidé mon compte, le mec, un ingénieur d'ailleurs, informatique. Il me l'a vendu, il m'a dit tiens, je vais te vider ton compte. Je me suis trouvé à zéro. Mais juste avant que l'échange ait lieu, eh bien, j'ai vendu plein de trucs. Et du coup, en fait, je me suis fait 2000 Jules de plus. C'est-à-dire que quand j'ai acheté l'appareil, les 2000 junes que j'avais produits depuis le début, hein, j'étais là, je les ai perdus, mais comme j'avais vendu des choses, des crêpes, un vélo, un arc et tout, et bien en fait, j'ai pas senti de chute. J'étais toujours à 2000 junes. C'est la différence entre produire des junes et les obtenir par l'échange. Parce que la june, comme toute monnaie, c'est un substitut de valeur. Ça reste une monnaie. Et les échanges, ils sont à travers l'application que vous nous avez montrée? Oui. Ça n'est une. Ces zones est une. Ah oui. Il y en a d'autres. Okay. Alors, est-ce qu'on peut voir mon. Ah, mais ça marche toujours pas. Pourquoi là? Mais sinon, on liste les différents clients de l'unitaire et SDK. Oui, ah, ben voilà. Hop. Ah, ben voilà, c'est là. Alors, c'est écrit pour des non-geeks, hein, évidemment. Vous allez rigoler. Hein. Écosystème logiciel d'unitaire. Le générateur de mon ellipse June d'unitaire, hein, c'est lui. Juniter, générateur de DU. On a inventé le mot, hein. Générateur de DU, un Juniter, permet à des clients Cesium. Alors Cesium étant Node.js, Sakya,
Python. Python, et c'est le cas aussi. Python, ligne de commande. Voilà. Ligne de commande. D'utiliser le réseau distribué de la monnaie qu'il génère, et le logiciel unitaire fonctionne en paire à paire de nœuds numériques qui certifient les émissions, voilà, des individus, et les transactions monétaires. Il y a les deux, les émissions de certification et les transactions. Sans course à la preuve de travail. Il n'y a pas d'explosion de la planète, pas besoin d'une centrale nucléaire comme pour le Bitcoin. Là, c'est quelques briques Internet suffisent. Et avec le temps, ça va être encore plus léger. On va passer sous Rust dans 2 ou 3 ans, et le système sera encore plus léger, pareil. C'est bon, tu connais rien. Voilà, tu m'appartiens, une toile de confiance, c'est ça la clé. S'il n'y avait pas la toile de confiance, ça serait hyper galère de rendre le système sécurisé. On aurait très bien pu faire une monnaie libre sur les tablettes d'argile, il y a 2000 ans. Mais les gens n'y ont pas pensé. Ouais, ils auraient pu, hein, il fallait avoir confiance au script, en celui qui... Mais il aurait pu générer un délu par individu dans la communauté. Un autre point par rapport à la dépense énergétique qui fait qu'il n'y a pas cette course, c'est que la monnaie, elle ne va pas à celui qui a fait le calcul, qui a gagné la course, elle est distribuée à tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à être celui qui a fait le calcul. Il y a 40 nœuds qui tournent en ce moment. Ouais. Il y a du crowdfunding pour émettre. Il y a 10 000 membres, on n'est que 1030. Donc on est déjà tranquille. Mais j'essaie de comprendre le côté. Il y a l'outil monnaie, et puis après il y a les gens et leur ego. On vit l'ensemble, ok. Et c'est quand même les gens qui posent la valeur des choses. Tu vois ce que je veux dire. Donc, si à chaque fois ça tombe sur toi, qu'en fait, un objet que tu veux vendre. On te donne toujours un prix de merde. Ah non, un prix ne se fixe jamais déjà. Et il se propose et s'établit entre l'offre et la demande. Regarde, moi au début je savais que j'allais perdre toutes mes junes pour acheter le portable. Donc je suis bien, je me retrouvais asséché monétairement. Donc j'ai dit je vais vendre des crêpes aux geeks. Aux geeks qui. Parce que tous les 6 mois on se rencontre. Il a dit que les prochaines c'est à Douarnenez, on y va d'ailleurs au bout de la planète, Pénarjune, ils ont appelé ça. Et donc, il y avait plein de geeks et tout, je savais qu'il y avait de la june sur eux. Et donc, j'ai fait des crêpes. Comme moi, je ne maîtrise pas l'ordinateur et tout, je faisais des crêpes. Et là, je me suis dit, bon sang, combien je vais les vendre? Alors, au début, je dis, allez, je vais les vendre 10 junes, la crêpe. Vu qu'ils en créent tous 10, ils en ont. Allez, ouais, c'était un test, je me suis dit, voyons. Et alors, il y en a un qui m'a acheté 10 junes, et puis il a trouvé ça. Il a trouvé qu'elles étaient super bonnes, et les gars, ouais, elles sont trop bonnes, putain, je t'en prends 5, ah, moi 6. Il m'en prenait plus que ma capacité à les faire. Ça voulait dire quoi? Que le prix n'était pas assez élevé. Du coup, j'ai dit, j'en vends 10 à 10 junes, voilà, ouais, mais. Oui. Et du coup, j'ai dit, ben maintenant, les prochaines, c'est 20 junes, je double les prix. Et là, ok, ils m'en prenaient quand même, mais j'en avais qui refroidissaient. Ouais, donc je suis passé à 15 jeunes. Et là tout est parti, j'ai vendu 200 crêpes à 15 jeunes. J'ai trouvé le bon prix du jour. Là j'ai vu maintenant, j'ai une concurrente qui fait les crêpes à 10 jeunes. Ben, du coup je vais laisser. Alors si je les fais meilleures qu'elle, 15 jeunes, je garderai mon prix. Si je vois qu'elle les fait très très bonnes elle aussi, ben, je m'admirerai à elle, sinon j'en vendrai pas. C'est ça en fait, le marchand de tapis, on a oublié ce que c'était que l'échange au bled. Mais c'est pourtant, la monnaie libre nous fait retrouver en fait l'essence même d'un outil de mesure, le marchandage, le voilà. Et puis on se donne de la june beaucoup plus facilement. Parce que donner du bitcoin, de l'euro et tout, comme t'es pas sûr d'en avoir demain, c'est dur. Alors que la june, c'est une certaine abondance, c'est lié à la vie. Tant que je vis, je vais en co-créer. Et du coup, ben, si quelqu'un a envie vraiment, allez, moi j'en ai plein de june. Aussi. On donne. Ah non. Alors que de l'euro, c'est plus dur. Mais encore toi, t'es généreux aussi. Et encore d'un point de vue pratique, parce que bon, moi je vais acheter un truc de cash, je vais sur le bon coin, mais s'il y a un site genre le bon jus, Oui. Alors il y a 3 sites pour l'instant d'échange, mais j'aimerais bien que depuis que le conf, qu'il y en ait d'autres, parce que c'est juste. Tout ce qui se fait là, c'est l'initiative d'individus. Hein. Ouais. C'est pas, ça vient pas de l'État qui nous le dit, hein. Justement, non. Et donc, il y a eu 3 sites. Il y a j'annonce.org. Non, j'annonce.org. Qui a été fait par celui qui a fait d'Unitaire. Lui, carrément, il a fait le logiciel qui permet d'émettre la monnaie libre et
un site d'échange avec du crowdfunding dedans, du financement participatif. Cédric Moreau. Hein? Cédric Moreau. Cédric Moreau. J'annonce, il y a gechange.fr. Celui-là, il est en anglais aussi, il n'a pas le crowdfunding encore dedans, mais il est vachement plus chouette, plus fun, comment on dit, ergonomique, beau, sympa. L'interface. Et puis, il y a sur Facebook, faut pas le dire, Gécoin, c'est moi qui fais l'admin, le Gécoin sur Facebook. Bon, voilà. Et ça, mais voilà, mais nous, on loue notre chambre 300 jus. Au début, on avait mis à 50 jus de la nuitée, au tout début. Et puis bon, maintenant 300 jeunes et ça marche, hein, on loue. Oui, il y a différents services, bien et services. Et c'est sûr, vous pouvez retrouver l'annonce sur J'échange et sur J'ai. On l'a pas mis sur J'annonce. Mais voilà, et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Il va y avoir bientôt, j'espère, des caisses de sécurité sociale, des mutuelles en June, avec des smart contrats, des systèmes qui font que ceux qui ont cotisé dans cette caisse, donc ils ont vérifié que. Le déclenchement des paiements des comment on appelle ça quand on touche, il y a la cotisation, c'est quand on met prestation. Non, quand tu es malade et du coup tu bénéficies des sous de assurance, allocation. L'allocation, voilà. Donc ça permet, les smart contrats permettent de bénéficier d'allocations à ceux qui ont payé selon des critères qui ont été préétablis à l'avance, ils sont dans la blockchain. Il n'y a plus besoin d'un notaire, d'un chef qui dit toi oui, toi non. C'est établi dans le smart contract sous blockchain, en lien, qui va arriver bientôt, j'espère, en lien avec la June. Ça va aller très vite, hein. Je vous dis, dans 10 ans, on sera en monnaie, quasiment en monnaie pleine, et on pourra vraiment regarder des changements concrets, quoi. Parce qu'on sera plus de 10 000 hein, dans 10 ans. Et une société de 10 000 sous June, qui change en June, on va pouvoir la comparer à une société de 10 000 personnes où il n'y a pas de June dedans. Et ça me paraît évident. D'ailleurs, je vais faire la prospective sous monnaie. La prospective des comportements socio-économiques des membres sous monnaie libre. L'abandon de l'hégémonie de la recherche de profit. Plus besoin, tu sais, il n'y a plus de crédit là. La monnaie est créée parce que je suis vivant. Elle n'est pas créée parce que je vais chercher le profit. Tout est libre, hein, les slides, je peux vous les filer. La concrétisation d'une égalité conditionnelle. Hein. L'unité de mesure. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité, quand même. Mais qu'est-ce que ça va engendrer, toi, hein? J'ai dit prospective, parce que j'ai fait ce slide, elle n'existait même pas, la monnaie libre. J'avais déjà un peu capté le truc. Le peuple utilisant la monnaie libre peut développer ses aspirations à l'autonomie économique. Tout le monde veut ça. Personne ne dit, ouais, moi je veux être esclave. Oh, non, tout le monde la veut. Et là, on pourra concrétiser ça. Politique aussi. Hein? Anarchie, c'est pas de hiérarchie. Sociale, on va pouvoir s'organiser socialement et non plus être... toujours à subir des problèmes, et culturel, hein, il n'y a pas d'hierarchie culturelle là. Chaque individu a le même pouvoir que les autres. Économie collaborative, mutualiste, contributive, ici c'est quand même un lieu déjà, on va dire, une pépinière, hein, Myris. Économie du don, on en parlait, qui est enfin libérée. Participer souverainement à la finance de l'innovation, et ouais, ça m'étonnerait moi que les gens qui créent la June cotisent pour les armes, les OGM. Après moi, ils vont plutôt cotiser pour développer du biogaz facilement chez eux, enfin, énergie, enfin, on va le voir après les énergies. L'exercice politique démocratique sera transversal, sans domination. Hein. Eux, ils décident de financer un truc en June, lui, il veut pas, et alors, ils sont tous co-créateurs, là, hein. Et eux, ils décident de financer un projet. Qui, pas qui, n'importe, hein. Mais il n'y a plus d'histoire de « il faut qu'on soit tous d'accord ». Non, non, il n'y a pas besoin de voter pour quelqu'un. Eux, ils sont d'accord, pouf, ils le font. Ils sont co-créateurs des chiffres. Et donc pour la planète, bon, là c'était le peuple, et la planète, le peuple utilisant la monnaie libre peut développer ses aspirations à l'économie circulaire. Tout le monde veut ça. Personne veut une économie pyramidale. Et pourtant, c'est ce qu'on subit. Hein. D'usage et de fonctionnalité, du solide, du durable. Le recyclable, tout le monde veut ça. Moi, je suis dans les quartiers populaires, je suis une famille très riche. Mais je vois bien que les gens ont les mêmes aspirations. Hein. Qu'ils soient très riches ou t'es pauvre, finalement, personne veut les OGM, personne veut galérer, personne veut la guerre, personne. Et pourtant, on bouffe tous des OGM et on subit la guerre. Voilà, réparable, l'utilisation des ressources facilement renouvelables. Il y en a. C'est à nous de nous organiser. Économie du biomimétisme et en symbiose avec le vivant. Voilà. Stand. Ben merci pour votre écoute. Il y a un stand.
Austin. C'est grâce à Austin qui m'a motivé. Ouais, c'est vrai. Si on était sur June, au moins on est libre, on aurait pu cotiser pour pouvoir. Ben on va le faire d'ailleurs pour rémunérer Joanne. Elle va ouvrir un compte bientôt. Et alors nous, le collectif Money Libre Occitanie a beaucoup de June parce que nous avons fait l'événementiel et on va la payer. Parce qu'on n'a pas pour les autres fois en June. Tu sais, on a 10 000 June sur notre compte et on avait d'ailleurs parlé de payer cette séance. Combien on avait dit ? Équivalent 60 euros, c'est-à-dire 600 June à peu près, parce que sur le. Il y a un taux de 1 pour 10 en gros en ce moment, mais c'est ça. Parce qu'on est capable d'organiser l'NTHSF, mais on n'est pas capable d'avoir suffisamment de monnaie non libre pour pouvoir traduire et rendre accessible le savoir à tous. Et ça me révolte à un moment, mais il y a des solutions. Grâce à la June. Et merci à Joanne aussi. Ah yes, Dornenaise. Ah oui, le bout du monde, Ben Arjun. Oui, le 22. On a une place dans le camion, si tu veux venir. C'est à l'RML, discuté, gouvernement. Oui. Alors, ça s'appelle les RML, c'est ici. Tous les 6 mois. ML11. 11e, c'est tous les 6 mois. Et à Toulouse. C'était les RML 8 que j'ai organisé, que nous avons organisé. À Toulouse, c'était les 8. Et maintenant, on est à 11 d'Ornenay. Les 12, ce sera à Bordeaux. Vous êtes fait à Laval aussi ? À Laval, c'est passé. Bordeaux, c'est ce sera les 12. C'était ce sera en octobre, c'est tous les 6 mois. Combien de juin on a d'Ornenay ? À chaque fois, c'est toujours pareil, c'est 4 jours. C'est jeudi, vendredi pour les geeks, réservé aux geeks, pour les bichonnes. Et le samedi et le dimanche, c'est pour le tout venant. Les dates, monsieur, d'Ornenay, c'est 24 ou 27. Ouais. Je crois que c'est ça, 24 ou 27 d'Ornenay. Mais... Donc après, ce sera Bordeaux, après il y a Lyon. Alors, des gens qui utilisent la June, il y en a en Belgique beaucoup, il y en a un peu en Suisse maintenant, il y a au Danemark, voilà, et on est en train de traduire en espagnol. Enfin, au Danemark, ils sont trois. Oui, celui qui tient les bacs est Debian, il s'appelle Jonas, voilà, il a certifié son gamin et sa femme. Enfin, il a réussi à aller seul. C'est du 23 au 27 mai à Douarnenez, mercredi 23 mai. C'est bien la France, mais est-ce que vous avez pensé au docteur ? Oui, oui. Il y a des gens... En Nouvelle-Calédonie, ouais. Ah, mais on n'a pas la carte, mais... Ils sont au moins 5, ils sont 6 même, je crois. Il y en a à La Réunion. Réunion. Les politiques s'intéressent à la politique. Alors le problème, c'est que les membres, ils sont ici, et il y en a quelques-uns loin. Bon, allez là, très loin, vous êtes à Montréal. Mais le problème, c'est que ils sont trop loin géographiquement pour pouvoir souvent se faire certifier. Donc ils vont devoir créer une G2. Un G2 ou un autre mot. Voilà. Il y a besoin de se rencontrer. Et s'ils sont très loin, ils ne vont pas pouvoir rencontrer. Et une question. Pourquoi tu n'utiliserais pas d'autres réseaux de confiance qui sont déjà établis comme PGP, etc. Ah, mais là, c'est sur PGP. Hein, c'est réseau de... C'est non. Ça utilise PGP. Non. Non, non. C'est à la base quand même. C'est inspiré d'eux. Voilà, inspiré d'eux. Mais ça utilise mais pas en effet, si là, à Montréal, il y a déjà un réseau, il faut qu'il se fasse certifier quand même par 5 membres. Il faut un réseau. Et puis, pouf, il déclenche la G2. Comme nous, on a fait le 8 mars 2017. On avait déjà pris le temps de se certifier, de se rencontrer. Moi, je suis allé péter en Belgique, à Lille et tout. Et on s'est rencontrés, on s'est certifié alors qu'il n'y avait pas de monnaie encore. Et le 8 mars, nos comptes, ça y est, ont commencé à être producteurs de June. Et on a continué la toile, à certifier d'autres gens. Mais il y a quand même un centre. On va dire, c'est un centre, mais ça va de la Belgique à Toulouse, on va dire, le centre. Donc c'est quand même un grand centre. Mais ceux qui sont loin de cette géographie, il va mieux en Afrique aussi, typiquement. Hein, pareil, G2. Il va falloir qu'ils développent un réseau. Il faut des informaticiens là, c'est pour ça que je suis vraiment dit là. Une remarque que je me disais, ça consiste à quoi la certification ? C'est confirmer l'identité de la personne ? Ouais, c'est confirmer l'identité.
qu'on a confiance en elle et sur le fait qu'elle n'a pas un deuxième compte, qu'elle n'a pas été certifiée par d'autres. Parce que sinon, elle va faire de la fausse monnaie. Elle aura deux comptes de création. T'as pas besoin de vérifier une identité civile. Okay. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mmh. Parce que je me disais que créer un réseau de confiance, ça peut être transverse à plein de projets différents. Mais là, c'est très spécifique. Là, ah oui, là, c'est la création monétaire. Création monétaire. Mmh. Mais du coup, comment on sait que la personne n'a pas déjà un deuxième compte? Si moi, je vais à la RML, ouais. Voilà, je vais à mon compte, j'ai déjà un autre compte. Alors, eh bien... Alors, tu vas où si tu as déjà un autre compte qui est certifié, ouais. Voilà, et bien forcément, et tu dis par exemple que c'est pas toi. Ouais. Voilà. J'essaye de frauder. Voilà. Tu y arrives. Imagine que nous, on est leurré, on se fait leurrer là, on te certifie ce compte alors qu'en fait, tu as réussi à te faire certifier en Belgique par 5 membres. Ok. Là, ton compte va être validé pendant 2 ans. Tu vas créer 2 fois la monnaie. Pendant 2 ans, ça dure 2 ans, hein, des certifs. Ouais. Et bien, si on arrive à voir que tu as 2 comptes, bien, tu vas te faire ostraciser par la communauté. Parce qu'on va dire, lui, il nous a menti. Et du coup, nous, on va communiquer à Internet et on va dire, lui, c'est un salaud. Donc, certes, pendant 2 ans, tu vas créer 2 fois plus de monnaie que les autres. Mais après, pour te faire certifier par des membres, ils vont dire, non, lui, c'est un... Non, le... Voilà. Donc, tu mets en péril ton avenir de création monétaire du jeu. Voilà. C'est une co-responsabilité. Internet. Ah, le temps de la blockchain, ça. C'est toi qui peux en parler. Ben, enfin, les blocs tombent à peu près toutes les 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Et effectivement, ouais, 5 minutes à peu près. Bah, et puis, si il y a 2 blocs qui sont trop proches, et bah, la difficulté globale de tous les nœuds va augmenter. Pour la difficulté de calcul, elle va augmenter. Pour espacer à nouveau, et si au contraire on dépasse et qu'il y a trop de temps entre 2 blocs, bah, la difficulté globale va baisser. Et ensuite il y a un décalage horaire entre la blockchain et même par rapport à UTC, il doit y avoir 1h30 d'écart, ouais, je crois. Entre 1h10 et 1h30. Ouais, ça varie un peu. Bon, on en parle à l'atelier, hein, et voilà, on laisse la place. Merci. Merci Mathieu. Merci. 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 Thank you.